Manon, Delphine, Ophélie et Mathilde, quatre femmes aux profils différents, réunies par la même passion, le trail. À l'Université des Sports, Ophélie Mougin s'applique. Le nez dans les cours, mais la tête dans la course, l'étudiante en STAP se prépare au trail d'effort. Pour sa première participation, elle compte déjà atteindre les sommets. Moi, je suis assez compétitrice, donc ouais, c'est sûr que quand je fais un trail, forcément, je vais être en compétition avec moi-même ou aussi avec les autres. Donc, je vais chercher avant tout le plaisir, évidemment, mais aussi la performance, ouais, c'est sûr. Parmi ses modèles, Manon Bohard, une athlète internationale, mais surtout une diététicienne auprès de jeunes atteints de surpoids ou d'obésité. Un métier d'accompagnement très prenant qui s'intercale avec ses entraînements. Je pourrais pas ne pas travailler, c'est pas possible, parce que moi je suis un peu un bout en train, une boulimique un petit peu d'activité, et j'ai besoin de me nourrir pas que du trail, pas que du sport, mais aussi d'une utilité au niveau professionnel. Des dossards, j'en ai pas forcément besoin. Des défis, j'en ai besoin, mais je peux me les mettre autrement que mettre un dossard, et je pourrais me sentir tout aussi bien sans la compétition malgré tout, quoi. Vient l'heure de l'entraînement. La diététicienne et l'étudiante rejoignent Mathilde Leroy et Delphine Monnier-Benoît. Des retrouvailles rares dans un emploi du temps chargé. Pour Mathilde Leroy, le trail féminin reste une discipline encore peu médiatisée. On n'est pas assez représenté et souvent on parle beaucoup des podiums aux masculins. Mais voilà, il y a aussi les femmes qui ont des vies de famille, les enfants, le travail. Et donc je pense que c'est important aussi de mettre en avant cet aspect-là dans le trail. Comme dans tous les sports de haut niveau, peu de femmes peuvent vivre de courses et d'eau fraîche. Un grand gâchis pour Delphine Monnier-Benoît. Il y a un vrai potentiel pour ces filles qui veulent en vivre ou en tout cas exercer une activité importante. Et puis que ça peut être très valorisé sur le côté pleine nature, prendre soin de soi et puis transmettre en tant que maman ou femme aux futures générations l'amour de la course en nature. Sur les sentiers bisontins, les quatre femmes s'en vont pour peut-être grimper sur le podium du trail d'effort.